Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous observons avec un champ de vision élargi combien d'entre vous ont changé dans leur cœur. Et nous savons que les changements qui se produisent au sein de l'individu affectent l'intégralité du collectif humain sur Terre. Alors, nous sommes dans l'observation de l'effet d'entraînement qui se produit et qui aura un impact considérable sur toute votre société. Nous remarquons aussi que quand l'un d'entre vous fait un pas en avant, car nous sommes très sensibles à l'énergie et aux vibrations qui s'élèvent, nous savons que tous les effets ne sont pas toujours immédiats dans votre vie personnelle lorsque vous faites ce pas en avant. Mais ce que nous savons est que la totalité de ce que vous avez tous accompli en tant qu'individu au cours des dernières semaines n'a pas encore été vécu par le collectif. C'est votre conscience collective qui crée votre environnement sociétal. Vous voyez, toutes les choses que les gens veulent changer et qui existent dans une certaine mesure en dehors d'eux sont changées lorsque l'individu fait ce pas en avant, positivement, en raison de son impact sur l'ensemble du collectif. Et nous voulons que vous vous voyez comme étant aussi puissant que ceux qui détiennent le pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques ou autres sur la Terre. Vous êtes le leader de votre propre réalité, parce que vous en êtes le créateur et vous en êtes également l'expérimentateur. Vous êtes donc aussi les électeurs de votre vie. Et nous vous parlons en tant qu'individu en ce moment, même lorsque nous disons cela. C'est sans aucun doute ce que vous êtes plus puissant lorsque vous vous regroupez avec un objectif commun, tant que vous réalisez que l'objectif commun est d'offrir une vibration, pas de renverser quelqu'un ou quelque chose. Ce geste-là, ce n'est pas le pouvoir, c'est le désespoir. Vous êtes tous puissants en tant qu'individu. Et vous êtes plus puissant lorsque vous recherchez une vibration en vous que d'avoir l'intention de convaincre quelqu'un de votre point de vue qui serait le meilleur et que tout le monde devrait vous rejoindre. Non, si vous réalisez que le pouvoir de l'énergie source qui coule à travers vous est le meilleur, vous devrez alors d'abord permettre à tous les autres d'être là où ils sont spirituellement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Vous devez les aimer tels qu'ils sont et les voir tous comme des pièces nécessaires du puzzle géant dont vous faites tous partie et dont nous faisons également partie dans l'univers. Alors, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez abandonner toute votre résistance, toute votre tension, toute votre colère, toute votre haine. Et vous pouvez être aligné avec la source éternelle et exercer ce pouvoir de la meilleure façon possible. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cela. Et nous voulons vraiment que vous réalisiez la vérité de votre impact, afin que vous continuiez à le faire. Vous pourrez voir les changements à l'extérieur de vous que vous avez déjà initiés à l'intérieur. Et nous voulons également atteindre ceux qui sont sur le chemin, un peu en retrait encore, et qui ressentent encore de la résistance, là où réside toutefois leur vrai pouvoir.
Rappelez-vous qui vous êtes vraiment et que vous êtes là pour réaliser ce pouvoir de la source éternelle et être dans ce flux. Et nous pouvons vous garantir que vous vivrez dans le monde dans lequel vous voulez vivre, même avant que vous le sachiez. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci.